にちは。殺人短編動画へようこそ。連続殺人者の犯行動機や心理はどのようなものだったのか。今回のケースは日本の殺人 on YouTube。 Le 28 août vers 18h40, la police locale de Sosa dans la préfecture de Tiba a reçu un appel de voisins excédés qui se plaignaient du tapage assourdissant provenant d'une usine de traitement de la paille de riz, pourtant au repos ce jour-là. Arrivés sur place en petit équipage, les policiers inspectèrent les lieux et appelèrent la personne à l'origine de ce vacarme à se montrer et à les suivre. Selon le témoignage des deux policiers et d'un voisin, un vieil homme hirsute et visiblement passablement alcoolisé aurait surgi de derrière le bâtiment, une scie à fagot entre les mains, les en menaçant. Après quelques minutes de négociation, enjoignant l'homme à poser ce qui était devenu une arme, de se calmer et de le suivre, le forcené aurait foncé vers eux en criant qu'il allait les tuer. Le chef d'équipage, un policier aguerri de 53 ans, tira un coup de semonce en l'air, puis, jugeant la menace suffisante lorsque l'homme arriva à moins de 2 mètres d'eux, faisant tournoyer sa lame, fit feu en sa direction, le touchant à la poitrine d'une balle de calibre 38. Stoppé net, l'assaillant que l'on identifiera plus tard comme étant Ebato Seiti, 74 ans, retraité sans solde et semi-vagabond, sera conduit à l'hôpital où il décédera quelques minutes plus tard. Le chef de la police locale, Takaya Yoshinori, après étude du cas et des témoignages, a déclaré que l'officier avait fait usage de son arme avec raison et en état de légitime défense. La police rurale, plus encore que l'urbaine, ne fait que très rarement usage de son arme de service, mais les agents s'entraînent au tir très régulièrement, ce qui fait de leurs rares utilisations des tirs au but. Affaire classée. Moins de 3 semaines après le traumatisme de l'attaque au couteau de la ligne Odakyū qui avait fait 10 blessés, Tokyo vient à nouveau de connaître une attaque sauvage dans une station de train. En effet, le 24 août vers 21h à la station de métro Shirokane Takanawa sur la ligne Namboku, un homme vêtu de noir et au visage masqué s'est subitement précipité vers un groupe de personnes qui allaient prendre l'ascenseur pour les niveaux inférieurs, sortant un flacon et en projetant le contenu vers un jeune homme de 22 ans avant de prendre la fuite. Le liquide transparent, qui était en fait de l'acide sulfurique concentré, toucha et brûla grièvement le visage et les épaules de l'homme, tandis qu'une femme de 34 ans, qui se tenait à côté de lui, glissait sur le liquide et subissait de légères brûlures chimiques aux jambes. Pris de panique, les usagers prirent la fuite et alertèrent les employés de la ligne qui prévinrent la police et les secours. Rapidement pris en charge, les victimes ont été transportées vers l'hôpital de Shirokane tandis qu'une dizaine de véhicules de police et de pompiers arrivaient sur les lieux, équipés de combinaisons chimiques. Le traumatisme des attentats au gaz de 95 est toujours vivace. Cette attaque arrivait le jour même de l'ouverture des Jeux Paralympiques et la sécurité fut renforcée dans toute la ville. La brigade anticriminelle s'était de suite concentrée sur la traque du suspect qui avait réussi à prendre la fuite dans la foule des heures de pointe. Grâce aux caméras de vidéoprotection et à quelques témoignages, l'homme avait été rapidement identifié et un avis de recherche nationale lancé dans tout le territoire. Il a finalement été arrêté 4 jours plus tard, le 28 août, dans la préfecture d'Okinawa, à plus de 2000 km des lieux de l'agression et placé en garde à vue. La suite de l'enquête allait vite démontrer que cette attaque n'avait rien de spontané. En effet, le suspect, Hanamori Hirotaka, 25 ans, venait de mettre à exécution un plan mûrement réfléchi et préparé de longue date. Comme il le révélera aux enquêteurs, chose confirmée par la victime, les deux hommes étaient étudiants dans la même université d'Okinawa et, des années durant, Hanamori avait été le souffre-douleur des élèves populaires qui le rabaissaient et se moquaient de son physique et de son côté geek. Le jeune homme agressé faisait partie de ce groupe et depuis très longtemps, le suspect le recherchait pour lui faire payer tout cela, ruminant les brimades du passé. Au mois de juillet de cette année, ayant réussi à le localiser à Tokyo, il avait abordé dans une rue de Roppongi, mais l'homme apeuré avait refusé de lui parler plus que cela et avait poursuivi son chemin.
C'est là que Hanamori avait commencé à le suivre pour connaître ses habitudes et son itinéraire, puis, fin août, avait planifié son attaque après que le jeune homme l'eût une nouvelle fois éconduit alors qu'il voulait lui parler au sortir d'un parc municipal du quartier. D'après les enquêteurs, cette attaque était donc le fruit d'une longue préparation et sera donc traitée comme telle par les autorités. Affaire à suivre. Le gang Yakuza Kudokai, basé à Kitakyushu dans la préfecture de Fukuoka, est le dernier de son genre considéré comme extrêmement dangereux par les autorités et la police anti-gang. Si vous désirez en savoir plus sur leur compte et sur les Yakuza en général, je vous renvoie vers le petit doc que je leur ai consacré au début de cette année. Alors, lorsque le Oyabu Nomura Satoru, 74 ans, le parrain de cette organisation, et son Wakagashira, Tanoe Fumio, 65 ans, son premier lieutenant, tombent et se retrouvent devant la cour d'assises pour 4 assassinats, les choses ne peuvent forcément pas bien se passer. Et effectivement, le 24 août dernier, lorsque le juge Adachi rendit son verdict et prononça la peine capitale pour Nomura et la prison à vie pour Tanoe, le tournant historique que prenait ce verdict ne se fit pas sans heurts. Historique parce que c'était la première fois dans l'histoire judiciaire japonaise et la lutte contre le crime organisé que la peine capitale était prononcée contre un chef de clan, mais aussi parce que le dit condamné proféra des menaces non dissimulées contre le magistrat et son entourage. Pour commencer, Nomura et son porte-flingue comparaissaient pour 4 meurtres violents. Tout d'abord, 2 assassinats dans le cadre d'une vaste opération immobilière dans le port de Kitakyushu, planifiée de longue date par le clan et impliquant une foule d'irrégularités et de violations de la loi locale. Le président du syndicat de pêcheurs de la ville s'était élevé contre ce projet et il fut retrouvé, truffé de plomb, quelques jours plus tard. Puis ce fut le tour d'un dentiste de la ville, président d'une association citoyenne, de s'élever contre le projet et de dénoncer publiquement le clan Kudokai comme étant derrière tout cela avec les méthodes que l'on connaît. Il sera retrouvé mort chez lui, lardé de coups de couteau. Des témoins anonymes et des repentis affirmeront, preuve à l'appui, que le Oyabu n'avait ordonné ses exécutions et que le Wakagashira s'était arrangé pour que les ordres soient exécutés. Le troisième meurtre était celui d'une jeune infirmière qui s'était occupée de Nomura après une opération et lui avait prodigué des soins à domicile. Mécontent de ses services et de sa prétendue arrogance, il avait fait exécuter et elle aussi sera retrouvée chez elle, frappée d'une dizaine de coups de poignard mortels. Le quatrième et dernier meurtre imputé à Nomura et à son gang fut celui d'un inspecteur de la brigade anti-gang mitraillé devant son bureau par de jeunes tueurs identifiés comme appartenant au Kudokai et agissant sur ordre de leur parrain. Durant le procès, le chef de clan et son bras droit ne nièrent pas les faits, mais les minimisèrent et bien sûr affirmèrent qu'ils n'avaient ni porté les armes directement contre les victimes, ni commandé leurs exécutions. Dans chaque cas, ils invoquèrent des relations mafieuses des victimes avec d'autres clans et l'esprit d'initiative de leurs hommes quant à la façon de les faire taire. Mais les témoignages des repentis, des gangsters arrêtés mais en négociation judiciaire, des témoins directs et des proches des victimes furent sans appel, et le juge Adachi n'eut pas de mal à établir leur culpabilité. Cependant, s'il est courant qu'un parrain ou un gradé écope d'une peine à perpétuité, ce fut la première fois que la peine de mort était prononcée contre le commanditaire de meurtres multiples et mafieux, comme ce put être le cas pour Charles Manson en d'autres temps, lieux et circonstances. Écoutant l'énoncé de son verdict le 24 août, Nomura s'était alors dressé et avait pointé du doigt le juge en lui disant ces mots « Vous allez regretter cette décision toute votre vie ». Dans les heures qui suivirent, le syndicat du crime fit savoir qu'une série de mesures punitives avait été votée contre le juge, la partie civile et les témoins, qu'ils soient en liberté ou en prison. Devant cette menace bien réelle, 100 policiers de la brigade anti-gang et des commissariats de la région ont été dépêchés pour la protection des personnes visées par le Kudokai, le juge Adachi en tête. Les activités du clan sont scrutées à la loupe et chaque membre influent est suivi et mis sur écoute en attendant de savoir qui va succéder à Nomura à la tête du gang le plus dangereux du Japon. Les avocats des condamnés ont interjeté appel de la décision mais cela n'entache en rien la volonté de vengeance de ces derniers. Affaire à suivre. Le 30 août, la police métropolitaine de Tokyo a arrêté Komori Shohei, 27 ans, et sa femme Izumi, 28 ans, pour le meurtre de Washino Kana, une lycéenne de 18 ans disparue quelques jours auparavant.
Grâce une fois de plus à la vidéoprotection et à l'analyse des enregistrements, la police avait pu retrouver la trace de la jeune fille évanouie dans la nature le 28 août vers 15h30, alors qu'elle avait indiqué à sa mère qu'elle sortait avec des amis et rentrerait tôt. Ne la voyant pas rentrer en fin de journée ni répondre à ses appels téléphoniques, la mère avait signalé sa disparition à la police. Sur les bandes vidéo, on voit clairement la jeune victime monter dans une voiture à quelques mètres de son domicile, sans contrainte. D'après l'autopsie, Kana serait morte le 30 août, soit 2 jours après sa disparition, et montrerait des traces de sévices répétés, coupures et strangulations, ainsi que 4 coups de couteau mortels dans le dos et la poitrine. La lecture de la plaque minéralogique conduirait bien vite la police vers le domicile des 2 suspects qui avouèrent avoir dissimulé le corps dans un premier temps, puis, très vite, l'avoir tué. Quant au mobile, il est clair mais terrifiant car les enquêteurs rapportent un grand calme et un aplomb froid des suspects lors du récit des faits avoués. Komori était devenu ami avec la victime via Twitter 2 ans auparavant et parlait souvent de leur passion commune, soit en répondant aux tweets, soit par message privé, aux grandes dames de sa femme qui commençait à faire des crises de jalousie répétées lors de ses interminables sessions sur le réseau social. N'y tenant plus, elle aurait demandé à son mari de choisir entre elles deux et aurait manifesté le désir de la rencontrer pour en parler de vive voix. Pour l'heure, la police ne connaît pas le déroulé exact du week-end meurtrier ni si le couple a assassiné la jeune fille ensemble, mais tous deux ont avoué le meurtre. Après avoir conduit les enquêteurs à leur voiture abandonnée sur un terrain vague de la préfecture de Nagano, ils auront montré où ils avaient abandonné le corps dans un vieil entrepôt de Yamanashi. Après enquête, aucun objet tranchant ayant pu servir au meurtre et comportant des traces de sang ne fut retrouvé dans le hangar, indiquant clairement que le couple avait prévu son forfait et emporté leur propre matériel. L'endroit de sa détention et de son exécution ainsi que son terrible déroulé reste encore à découvrir. Affaire à suivre. Le 26 août à 17h05, dans un immeuble résidence du quartier de Teredito à Osaka, le voisinage a pu assister à une scène terrifiante et à ce que certains n'ont pas hésité à qualifier de miracle. Les lois de la physique resteront suffisantes pour ma part. Ce jour-là, une femme de 31 ans tenant quelque chose dans ses bras a été aperçue se jetant du balcon de son appartement du 10e étage avant de s'écraser au pied de l'immeuble. N'osant pas s'approcher de la scène, ce furent des pleurs qui incitèrent un témoin à se rapprocher tandis que d'autres appelaient les secours. La femme visiblement morte tenait dans ses bras un bébé, en vie, sans blessure apparente mais très secoué par ce qu'il venait de vivre. Arrivés sur place, les secours confirmèrent le décès de la mère et prirent la petite fille de 11 mois en charge pour lui faire une batterie d'examen. La police, en fouillant l'appartement de la jeune femme, y a retrouvé une paire de claquettes posées devant la rambarde, ainsi qu'un petit sac à dos contre la porte coulissante. Dans ce qui est traité par la police comme un suicide, après la découverte d'une lettre et de quelques indices probants, la jeune mère célibataire aurait décidé d'emporter son bébé avec elle dans la mort. Mais malgré la chute de 10 étages, la petite fille aurait été protégée par le corps de sa mère et s'en sort donc sans dommage corporel. La police enquête actuellement sur les circonstances et les raisons de ce suicide et auditionne les parents de la victime ainsi que son ancien mari. Affaire à suivre. Le 26 août vers 23h à Kōhō dans la préfecture de Yamanashi, la vie d'une femme de 80 ans s'est arrêtée dans les plus horribles conditions qui soient. Ce soir-là, son infirmier à domicile, Tanzawa Kazuki, 42 ans, était venu comme tous les jours pour lui administrer ses soins quotidiens, la laver et la mettre au lit. Mais vers 22h30, alors qu'il s'apprêtait à lui donner son bain, l'homme, pris, dira-t-il plus tard, d'une pulsion incontrôlable, viola l'octogénaire dans la salle de bain, puis la traîna sur son lit et la viola à nouveau avant de l'étrangler. Puis il la rhabilla et alerta les secours, pensant faire passer son acte ignoble pour un accident. Interrogé par la police sur ce soi-disant accident, sa version changera au fur et à mesure que les analyses médicales tomberont. Relevant des abrasions et des ecchymoses sur les fesses et le bas-ventre de la victime, le légiste put établir qu'elle avait été violée. Tanzawa avouera alors cette relation non consentie mais niera le meurtre, évoquant une suffocation de la vieille dame lors de l'agression.
D'abord inculpé de viol et de violence ayant entraîné la mort sans intention de la donner, ce fut la découverte des traces de strangulation et de la fracture de l'os hyoïde qui poussa le suspect à avouer son crime et à reconnaître les faits. Horrifiée, la fille de la victime a évoqué la vie de labeur de sa mère, sa retraite paisible malgré ses difficultés à se mouvoir au quotidien, et l'atroce fin qu'elle a connue, espérant que le meurtrier émette des regrets et paie son crime à la hauteur de son atrocité. La police enquête sur les circonstances exactes de ce drame, les antécédents du meurtrier et interroge le reste de ses patients pour savoir s'il s'était déjà rendu coupable de gestes déplacés. Affaire à suivre. Refermons un instant, si vous le voulez bien, le grand livre de la perversion humaine pour ouvrir celui de la bêtise, non moins épais, mais souvent bien moins drôle. Si nombre de jeunes gens se rêvent à un destin criminel au détour d'un polar, d'un film noir ou du récit épique de bandits de grand chemin, ils le font en général avec recul, reléguant cela à l'étage des fantasmes et laissant leur morale indiquer la sortie. Ceux plus rares qui, nourris de misanthropie, de perversions morbides et d'une solide couche de poison idéologique passent à l'action, le font généralement dans un flot de sang et épouvantent durablement leurs contemporains. Mais il existe un niveau intermédiaire à cette alternative, une espèce de purgatoire de la délinquance débile, quelque part entre le dodo et Mr Bean. J'ai nommé le petit gars qui improvise un braquage à la dernière minute avec les moyens du bord parce que... pourquoi pas. Et c'est justement ce qui est arrivé aux employés du Starbucks de Komaki le 12 août dernier. En effet, ce jour-là, une jeune serveuse à mi-temps de 19 ans et ses collègues ont bien failli mourir de rire. C'est le jour que M. Okuno Yasuhiro, 25 ans, travailleur intérimaire, avait choisi pour vivre son rêve de grand banditisme à moindre frais. Alors, passant devant son Starbucks habituel, il eut une pulsion irrépressible, entré dans l'histoire comme le plus grand braqueur de coffee shop du monde ou bien simplement une idée à la c***. Après s'être équipé en conséquence, volant l'objet adéquat au quatrième étage du centre commercial, il remonta son masque chirurgical, l'ajusta sur son nez et, poussant la porte de l'établissement d'un pas décidé, hurla, enfin timidement, « Ceci est un hold-up, donnez-moi l'argent de la caisse !» tout en brandissant en direction de la petite caissière éberluée, le tuyau d'un extincteur. Bien entendu, la jeune fille n'en fit rien et ne put s'empêcher de s'écrouler de rire, entraînant avec elle ses collègues hommes et femmes. Un agent de sécurité ne tardera pas à désarmer le jeune gangster qui, comble de la loose, n'avait même pas retiré la goupille de l'extincteur. Il a été remis à la police, qu'il a elle-même remis à un hôpital, car le jeune homme semble souffrir de surmenage. Ah, je ne sais même pas si je dois dire affaire classée là du coup. Si ça se trouve, en sortant de l'hosto, il va braquer une blanchisserie avec un poireau. Paf, bim, l'escalade et... non, on va dire affaire à suivre, plutôt. Le premier coup de pouce du jour, comme le second d'ailleurs, sera pour une chaîne cinéma. Oui, je sais, ça fait beaucoup, mais qui puis-je, moi, s'il y a tant de belles choses sur YouTube. Je vais donc vous parler de Welcome to Primetime Beach, que j'ai découvert il y a peu grâce à vos recommandations et dont j'ai dévoré les vidéos des jours durant. Rendant hommage à ce très bon film méconnu qu'est Popcorn dans sa dernière vidéo ou à The Stuff, ovni sucré et faussement nanardesque de Larry Cohen, dont les films It's Alive en tête ravirent mes soirées VHS dans les années 80, les productions de la chaîne sont colorées, enthousiastes et savantes, car faites par une véritable passionnée et ça, on peut le sentir à chaque seconde et quel que soit le sujet abordé. J'ai découvert grâce à elle qu'il existait des jeux de société, The Night of the Living Dead, Jaws et même Shining. Voilà, vous l'aurez compris, j'ai beaucoup aimé le fond et la forme de cette petite chaîne de 1500 abonnés et je vous encourage vivement à aller voir ce qu'elle fait et à vous abonner nombreux. Mon second coup de pouce du jour, encore pour une chaîne de ciné, sera pour « À regarder dans le noir » dont vous me parliez aussi depuis un moment et que j'ai enfin eu l'occasion de découvrir cet été pendant mes petites vacances. Alors que dire si ce n'est que l'on a affaire à une véritable chaîne de passionnés de cinéma d'horreur et que ça fait un bien fou quand, comme moi, vous aimez les vidéos qui vont au fond des choses et manient l'humour et les références.
Au programme, des classiques comme Zombie, L'échelle de Jacob ou Candyman, ou des sorties plus récentes et un peu à part de la production horrifique telles que The Lighthouse, que j'avais adoré, Méandre ou La Chapelle du Diable pour ne citer que. Mais à regarder dans le noir, c'est aussi beaucoup de live que je vous encourage à aller suivre, comme j'ai pu le faire il y a peu et avec plaisir. La chaîne existe depuis un an et ses acharnés passionnés ont déjà sorti 48 vidéos. Actuellement, elle compte 656 abonnés. Non, 656. Et en mérite bien plus, alors je compte sur vous pour aller poncer leur playlist et vous abonner en masse. Voilà, cette 37e édition de Petit Satsujin est terminée. Avant de vous laisser vaquer, je vous rappelle que vous devez vous abonner à la chaîne, c'est obligatoire, parce que 60% de non-abonnés qui regardent les vidéos, ça suffit maintenant. Lorsque vous aurez accompli votre devoir, n'oubliez pas d'activer la cloche, vous serez averti des sorties, enfin, parfois. Pour soutenir la chaîne, qui, je vous le rappelle, est mon boulot maintenant, et je sais, c'est pas un vrai métier, youtubeur, moi, mon grand-père, il travaillait dans les mines de saumon de Sildavie, ça c'était autre chose. N'empêche que vous pouvez m'aider via Tipeee et Utip ou en visitant la boutique satsujin.fr où vous trouverez mes livres que je vous dédicace à la demande, le CD Satsujin OST, pas mal de collectors des groupes que vous pouvez entendre sur la chaîne, mais aussi goodies et t-shirts, alors allez-y, oui allez-y, vous ne le regretterez pas. Je vous rappelle que l'unité Satsujin vous attend si vous souhaitez du contenu exclusif, des avant-premières et des lives privés. Il vous suffit de cliquer sur le bouton rejoindre, là, juste là, en bas de la vidéo. Pour être au courant des actus de la chaîne, rejoignez-moi sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram et Facebook. J'y suis plutôt actif et y poste régulièrement des photos de musaraignes qui chevauchent des pinces à linge. Allez, je vous laisse, je dois trouver un extincteur pour aller retirer de l'argent. Matanée.